Eh ouais, écoute-moi ça, si c'est pas beau, toute cette guerre, toutes ces explosions, tous ces effets spéciaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est un stream hors série, hein. Normalement il sera pas publié. C'est juste parce que j'avais envie de jouer et que je me suis dit, ben tiens, je me ferais bien un Battle Back Raid. Parce que c'est un petit shooter qui sympa. Et puis je pense que ça va me détendre. Donc ce soir c'est stream du plaisir, hein. N'y cherchez pas un numéro de The Big Gamoski, c'est Pépère au backstage qui est en train de jouer, et qui s'enregistre et qui partage live avec les amis, qui sont d'ailleurs nombreux à cette heure-là. Faut dire que c'est un petit peu 1h17 du mat. J'ai dit ça, j'ai rien dit, on va s'envoyer le jeu dans le cigare. Il y a des gens qui aiment beaucoup cette expression d'ailleurs, parce que c'est quand même devenu désuet. Et on va balancer du crédit. On va balancer de la boulette et on va se faire plaisir, tout simplement. Alors, j'ai ma capture de jeu qui ne marche pas apparemment. Si. Et je vais devoir meubler en chantant une fois de plus pendant qu'il y a le check de la carte mémoire. C'est une maison. Alors, ferme ta gueule. Vous voyez que je me connais quand même. Non, je connais mes talents de chanteur et. Sorti de faire des reprises de typo négatives, je vois pas trop ce que je pourrais faire peut-être. Non, j'exagère. Ah ouais! Ah ouais, des petits avions! Qu'est-ce que ça va être bon? Alors, j'ai plus le gameplay de Battle Back Raid exactement en tête, et je dois vous avouer que, avec tous les shoots que j'ai passés entre-temps, je commence à pas mal me mélanger les pinceaux. Mais bon, je pense que quelques rasades de boulettes vont vite me remettre dans le bain. Je pense que je vais mettre une bonne tripotée de crédit parce qu'il va y en avoir besoin. Normal, only boss, on va y aller normal déjà, on sera bien. Eh bien, c'est lequel qui a un tir large, man? Moi je veux un tir large en fait, tout simplement. On va dire que le premier est polyvalent et ça pourrait marcher, on va pas se prendre la tête. Quel dommage, en voulant rattraper bêtement un bonus. Juste oublié de laisser les retours de Twitch. Bon, ça va. Ah, j'ai plus rien à l'écran. Désolé, j'avais basculé de fenêtre. J'étais plus du tout dans le jeu. C'est pas ce soir le One Credit. Et non, c'est pas ce soir. Et de toute façon, je crois que je suis pas bon. Hop, on y retourne comme d'un seul homme. Si on changeait de. Ah, tiens, je vais en profiter pour tester les différents véhicules disponibles. Oui, alors comme je joue, je me sens pas obligé de commenter, donc ça change, ça fait des vacances pour tout le monde, hein, je pense. Enfin, moi en premier. Oui, je sais pas, c'est peut-être plus agréable aussi. Merde. Ah, vous entendrez les merdes par contre assez souvent, je pense.
Comment ça, je joue mieux quand je me tais? Oui. Bah, en fait, c'est les deux extrêmes. C'est je joue mieux quand je dis énormément de conneries. Et je joue mieux aussi quand je me tais. C'est tout à fait normal. Et oui, je n'avais pas encore utilisé de super bombe depuis le début, les gars. Moi, quand même, ce jeu est vachement agréable parce que la prise de risque est vachement récompensée du coup, parce que bah, les bonus, c'est bien de gommer assez de gens pour arriver à en générer, mais il faut les ramasser aussi, et là, ça peut être moins drôle. Faut savoir s'arrêter, monsieur. Eh oui. Merde. C'était pas très beau ce que j'ai fait. Ça non plus d'ailleurs. Aïe, j'ai perdu le groove. Allez, vaisseau suivant. Là, qui est intéressant. Tant du bon. Oh, le port. Les boulettes à vitesse variable, ça pardonne pas trop. Là, je change encore de vaisseau, comme ça, on peut tous les voir. C'est vachement agréable. Ça fera pas un stream doublon pour rien si je le publie. Quoi. Alors là, j'ai le tir qui balaye vraiment large. Et du coup, pour me concentrer sur un vaisseau, c'est la merde. Et là, on arrive quand même sur des séries où il y a des gros qui nécessitent de la grosse boulette. Donc je pense que c'est pas super judicieux. Oh, le bonus sur un tir. Non, je ne l'accorde pas celui-là. C'était dégueulasse. Ah. Il est vraiment bizarre ce tir. Je pense qu'il faut un petit temps d'adaptation parce que son asymétrie est complètement perturbante. Du coup, on sait pas trop si on arrive à avoir des trucs qui sont totalement à l'opposé et on les a, c'est ça le pire. Donc du coup, je pense que c'est un des meilleurs tirs du jeu si ça se trouve. Il faut juste expérimenter un peu pour l'avoir en main. Parce que du coup, il permet des petites péripéties qu'on pourrait pas s'autoriser autrement. Ou alors beaucoup plus difficilement. Ah merde, c'était traître ça. Ouais, bon, on va prendre le vaisseau suivant.
Oula. Ça va pas être terrible pour la visibilité, toutes ces flammes, dites-moi. Non. Je viens de me rappeler que j'avais la config de tir, quand on change la config de tir et qu'on appuie sur ce bouton pareil, on garde appuyé, ça vous déclenche un super mode un peu plus furax, que j'avais complètement zappé. Ah, que j'ai pas eu le temps de déclencher. Bon, on note pour le tableau suivant. T'as un super tir qui tue. Il ne tient qu'à toi de t'en rappeler. Celui-là me va bien comme vaisseau, je dois avouer. Il balaye assez large tout en se dissipant pas trop de partout. Donc il y a moyen qu'on soit à nous. Heureusement que c'était lui. Merde. Je vais le garder celui-là. Oula, y a pas de pause. Ah oui, c'était trop facile, quoi. Alors, c'est marrant comme ce tir qu'on doit garder appuyé, ça déconcentre quand il faut le boulette à chaque fois. Moi, c'est ce qui me fait paumer pour l'instant. J'ai toute la famille là. On fait un petit boss rush mode, tranquille. Et moi je gobe tranquille. Enfin, presque tranquille. Non, je te garde comme vaisseau, je t'ai adapté toi. Non mais ça va pas du tout là. J'étais presque dedans. Faut que je comprenne ce tir, il a une importance beaucoup plus vitale que ce que je pourrais imaginer.
Hop là. On va peut-être s'essayer un autre truc, hein. Vu que là je suis en mode impro. Je peux me permettre. Oula, pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, si vous voulez que je vous explique les coulisses, le backstage, là j'ai classé toutes mes roms par classement de date et je remonte dans le temps. Donc là on est à 1999. Et j'essaye au passage des roms que j'ai jamais touchés pour voir ce que c'est. Là j'ai un truc qui s'appelle Aquarush. Ça m'a l'air complètement. D'accord, c'est une espèce de Tetris aquatique. Ok. Je pense que je vais me contenter de vous le décrire, parce que c'est peut-être pas la peine que on en fasse beaucoup. Action en 2 minutes, qu'est-ce que c'est? Oula, oula, de la grosse 3D qui rame. Ouh, que c'est moche. On dirait un titrage Amiga 2000. Oula, 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 oula. Alors, le problème des émulations qu'on ne connaît pas les ROM, c'est qu'on tombe souvent sur des Mahjong ou alors des Jackpot. Et oui, il faut savoir qu'il y avait quand même une quantité de machines de bar qui étaient dédiées à cette activité parce que souvent les cafetiers se faisaient des petits arrangements avec les habitués et il y a eu des embrouilles à ce niveau-là sur des parties qui devenaient rémunérées selon qu'on gagnait ou pas. Et ça a fait pas mal de bordel. Transformer, Beast Wars 2, toi tu peux être que bien quoi, avec un titre pareil, c'est pas possible. Ouh, que tu as de grosses coronesses. Bon, c'est quoi ça? En plus, il y a la licence Takara. Donc, il va y avoir vraiment des. Oh, des robots. De la tatane. Ah, je pense que je vais peut-être vous le streamer, ça. S'il m'affiche son mode démo, ça pourrait être pas mal. Bon, il veut pas. Bon, tu m'envoies le jeu. Ok. C'est juste. Alors, je vous mets pas l'image. C'est juste un jeu de baston à la con. Mais par contre, il a la licence. Donc, c'est la grosse classe, quoi. Il met 2 heures à démarrer. C'est chiant comme la mort. Youhou. On joue ou on se. Bon, ok. Il m'a gonflé. Il y a des trucs comme ça où on peut pas. On peut pas. Qu'est-ce que j'ai là? Oh là là, qu'est-ce que ça va être? J'ai peur. J'ai très peur. Non, ah, c'est une sous-licence de Sega. Qu'est-ce que ça va être? Alors moi, je mets direct des crédits, là. Comme ça avance. Sundown. Oui, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Un jeu de tatane. Ouh là là, il y a des dragons. Un jeu de baston à cheval sur des dragons. J'avais jamais vu ça. Je pense que rien que vous décrire ce que je vois, ça suffit. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Définitivement. Non, c'est pas possible. Ah, t'es comme moi, shooting. C'est un jeu de boulettes, ça. L'image va arriver, faut pas désespérer. L'image va revenir, promis. Je vais vous mettre la soucoupe volante en attendant si vous voulez. Hop. Voilà, c'est important quand même. C'est ce qui fait voir que le stream est vivant. Ayez confiance. Mon Dieu, sur quoi je suis tombé là? Variety Game, Tekomori Shooting, avec des petits singes. Attends, faut que je vous mette l'image, parce que j'ai quand même un ovni ici.
Alors, pour vous mettre l'image, il va falloir que je quitte le jeu. Non, je viens de voir quelque chose de complètement. Je veux que vous soyez témoin. Histoire de confirmer que je n'ai pas vu n'importe quoi, quoi. Hop là. Hop là. Vas-y, recharge-moi ça, toi. Que tout le monde voie. Pourquoi j'ai toujours pas l'image? Fuck Ça doit venir. Ça ne viendra pas. Ah, je déteste ce truc. Alors, l'image ne veut pas venir, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à la capturer. C'est quand même super bizarre. Bah, c'est con parce que ce truc a l'air complètement tordu. Alors, je vais complètement sortir de l'émulation et puis on va voir si ça marche. Tant pis, sinon. Clicou, clicou, und clicou. Et si ça ne marche pas cette fois, bah tant pis, c'est foiré. Ah. Donc voilà l'OVNI. Je ne sais pas du tout ce que c'est. À part que tous ces petits singes m'ont l'air très en colère. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'en sais rien. Je vais essayer de comprendre en même temps que vous. C'est des flancs? Non, ce sont des volcans. En fait, il faut tourner le joystick pour recharger son volcan et qui. Et qui pète. Alors, c'est peut-être que des mini-jeux, j'en sais rien. Et en plus, il y a une phase de shoot. Donc, c'est assez rigolo. Bon. Je pense que vous n'avez pas plus compris que moi, mais on va y aller parce que on n'a pas peur. On va regarder toutes les démos quand même. Oh, il y a un Xevious dedans. C'est n'importe quoi. Ok. Complet. Yeah. Ouais, on va faire ça. Easy, on est des petits kikis. Alors, il y a un 1941, il y a un scroll, un missile shooter. C'est quoi ce truc? Attends, il y a un truc avec des vaisseaux aussi. On va commencer par le 1941. Au moins, on sera en domaine à peu près connu. Apparemment, c'est un espèce de multigame. Mais les mecs, ils. Ok. D'accord. Bon, c'est pas de la grosse science, hein, mais je sais pas, je découvre cet univers en même temps que vous. Hop, c'est check. Donc c'est le party game avant l'heure, quoi. C'est genre tu fais des bouts de jeu, mais jamais tu t'amuses vraiment, quoi. C'est le jeu s'arrête avant que tu t'emmerdes ou que tu constates que c'était très nul. Ben non, moi je vais rester avec les avions, je suis bon. 35 médailles. Ok, on va jouer à Diabolo et Satanas.
Mouais. Alors, je ne sais pas si ça s'entend, mais c'est la franche rigolade, là. Je suis au bord de l'extase jouissive. Ou pas. En fait, mec, tes trucs, ils sont chiants comme la mort. Si, je vais essayer ça. Ça a l'air très con. Faut tourniqueter. Avec les éruptions, ok. Ouais. Ok. Et après, t'appuies sur un bouton, je pense, pour balancer la purée. Bim. C'est aussi con que prévu. Fallait pas s'attendre à pire, ni à mieux. Bon, j'avais posé le pad sur les genoux, hein, vous avez entendu. Ça, c'est un poil entendu, je pense. Attention, maintenant nous allons jouer à un autre jeu qui va être absolument génial. Ça va être celui de Very Hard. J'aurais dû me garder les shooters en fait pour la fin parce que je sens que je vais me faire défoncer maintenant. Là, on n'a pas fait celui-là. Bien, bien, bien. J'ai même pas une super bombe. Comment ça, je râle? Oui, j'ai le droit. Limite. C'est quand même très, très tordu comme jeu. Ok. D'accord, donc c'est en fait un multigame tout con. J'essaie de visualiser dans quel contexte on avait ce genre de borne, quoi, parce que c'est quand même super bizarre. Oui, remets de l'argent et va te faire la course moyenne. Ok, bah, on va essayer la course moyenne si tu veux. Mais c'est quand même très bizarre. Alors, un petit start. On va se faire carrément la course dure, comme ça, si c'est bidon, on arrête direct. Ce sera plus drôle. Puis on va essayer les parties de jeu qu'on n'a pas faites. Genre ça, je sais pas ce que c'est. Allez-y, on commence direct dessus. Faut que je fasse quoi? J'ai rien compris en fait. Bouhou. On va prendre un truc moins compliqué pour mon petit cerveau. Alors, les rouges, mais pas les vertes. Ben, c'est pas si simple, les amis, hein. Bon, ce jeu m'a gonflé. Je suis désolé, ce jeu m'a gonflé totalement. Faut vite qu'on trouve un shoot et ça se passera beaucoup mieux. Alors, comme d'hab, j'ai perdu l'affichage, mais c'est pas grave. Je vous décris ce qui se passe, hein, ça sera plus simple.
Kaiser. Là, je viens de lancer un jeu de combat de méca. Qui est mortellement drôle. Ah, faut jouer le stream, ça. J'essaie de comprendre comment il fonctionne et je dois avouer que je ne comprends rien du tout. Et je viens de me faire terrasser par le mal maléfique intense qui vient de me mettre une méga branlée. Mais je viens de lui mettre un méga punch dans sa petite face. Ouais, je vous le stream celui-là parce qu'il est vraiment très drôle. Et j'ai gagné. Mais en faisant n'importe quoi sur le pad, comme les gens qui débutent, quoi. Retenez ce nom, Techromancer, très drôle, très très drôle. En fait, le bug du problème d'affichage vient que OBS retient la session de mon émulateur. Il retient la dernière session où il y a eu un jeu affiché, il retient ce titre de jeu. Et s'il ne trouve pas ce titre de jeu, ben, il n'affiche pas. Il n'est pas capable de revenir à l'émulateur. C'est moche, hein? Ouh, grosse musique. Quand tu veux, Célia. Faut que c'est les. C'est un jeu comme on ne peut en trouver qu'au Japon. Où en fait, pareil, c'est le principe des party games, c'est-à-dire, c'est que des petits mini-jeux. Mais alors là, avec des graphismes, genre, un môme de 5 ans vous a fait ça. Et du gameplay qui est parfaitement débile, quoi. Comme seuls les Japonais savent nous en inventer. Alors, qu'est-ce qui pourrait être un shoot là-dedans? Street Fighter, non, je crois pas. Peut-être Star Soldier, on va savoir. Ah, un jeu SETA. Hudson. Oh, mais il y a plein de monde là. Nintendo. Ah, je crois que là. Ah, émulation buggée, quel dommage. C'est un shoot 3D, faut que je lui mette image. Alors le son va être pourrave. Mais bon, on va se débrouiller avec. Hop, hop, sortir de cette daube. Et on renvoie la purée. Alors, Star Soldier, viens avec nous. Toujours pas l'écran, c'est pathétique. Yes. Alors. Alors oui, le son est pourri, mais je veux. Comprendre ce jeu. Donc la Meshechechechen One, c'est la mission 1. Ah, quel dommage que les mus soient foires. Parce qu'un shoot 3D qui en plus était adapté sur Nintendo d'époque, donc ça devait être du 16 32 bits maxi, quoi. Voilà qui m'interpelle.
Ça va, c'est joli pour si on remet dans le contexte. Bon, je viens de trouver ma super bombe, ça c'est la bonne nouvelle. Je viens de gaspiller une super bombe, ça c'est la moins bonne nouvelle. Ok, j'ai une sorte de bouclier aussi là. On va y arriver. Alors c'est dommage que l'émulation soit foirée. Parce que je pense que le jeu doit être pas mal impressionnant pour son temps. J'esquive. J'avais parfaitement le temps pour une fois. J'ai même carrément le temps tout le temps là. Je peux anticiper mes trajectoires 3 jours avant. Genre en fait le stream, les mouvements que vous voyez, je les ai fait vendredi dernier. Et oui, c'est ça le stream des coulisses de The Big Game Oski, on vous donne tous les secrets. Donc en fait pour jouer dans les shmups et pas trop avoir l'air ridicule, j'ai une astuce qui me permet de ralentir les émulations. Comme ça je prends tout mon temps, je peux même manger en même temps. Là vous ne le voyez pas mais j'ai une serviette de table autour du cou, je suis en train de manger des spaghettis bolo. Et voilà. Bah, j'ai trahi tous les secrets de l'émission. Je me demande si c'est à peine de la continuer. C'est oui, adieu, strass, paillettes et magie. Alors niveau audio, on déguste. Hein. Je pense que je vais pas vous infliger le calvaire beaucoup plus longtemps. On aura vu que le jeu existe et qu'effectivement on comprend pourquoi il est rentré un petit peu dans la légende. Parce que j'ai pas l'année sous le nez, on verra en sortant du jeu. Ça devait quand même être relativement une performance pour l'époque de sortir ce genre de soft. En plus, ces décors, bah, ils sont réellement en 3D. C'est pas juste un fond noir avec 3 étoiles qui se mettent le fion. C'est. Non, les gars, ils ont sorti carrément le décor. Et c'est ce qui doit bouffer et faire ramer, je pense, d'ailleurs, cette forme d'animation. Il devait y avoir probablement, ça faisait partie de la génération des cartouches Nintendo où il y en avait quelques-unes, elles avaient des circuits supplémentaires pour justement réussir certaines prouesses que les spécifications de la console seule ne permettaient pas quoi. Et il y a de fortes chances que ce soit le cas pour ce titre. Parce que oui, j'avais. Bah oui, c'était sur Star Fox. Alors, je suis pas un connaisseur en Nintendo. Et sur Star Fox, il me semble que la cartouche faisait partie de celle-là. Il y avait du hardware en plus pour améliorer la console et justement faire de la 3D. Et je me demande si c'est pas ce fameux hardware là. Bah, plutôt que d'utiliser pour un one shot, les gars se sont dit bah, ça serait bien de prendre cette librairie 3D, d'en faire quelque chose pour adapter. Je pense que c'est ça l'histoire derrière. Alors c'est à vérifier, mais voilà. Donc, oulala, ça fait du bien aux oreilles. On aura fait ce Star Soldier de 1998. Et on pourra donc mourir moins idiot. Oh, Stagger One, ça c'est un shoot. Et normalement, il ne devrait pas bugger. Bim. Oui, soirée détente, ça fait un peu de bien de temps en temps. Pas se prendre la tête. Pas essayer de faire bien à tout prix. Juste lancer un titre et puis regarder la tête qu'il a. Et puis parfois faire des bonnes découvertes. Pour ensuite pouvoir vous les streamer, bande de vénards. Tout en buvant des canons. Je crois que celui-là, je l'ai déjà streamé. Dans la tête que t'as, toi. Oui, c'est un vrai bâillement, il n'est pas ciblé. Oui. Suivi d'un étirement et peut-être d'un retournement, allez, ça va. Non, pas le retournement, c'est trop violent. Puis il me faut les cordes de toute manière. Ah oui, il est déjà streamé, je me rappelle. Le personnage de Toy Story comme héros, ça laisse des traces. Il est pas très bon d'ailleurs. Hop. Stagger,
Ciao, Space Bomber, c'est un shoot ou un Bomberman? Grosse question. Grosse réponse bientôt. Oh, Psycho, c'est un shooter. Je vous mets l'image des enfants. Ah non, c'est pas un shooter. Space Bomber. Alors j'ai un affichage, vous l'avez pas encore. Avec quand même une typo qui laisse sous-entendre que. Vendu. Celui-là, je vous mets l'image. Parce qu'il est quand même. Comment dire? Vous allez voir, ce sera plus simple. Je vous laisse définir. Choisir les bons mots adaptés pour ce jeu. Dis-moi qu'il affiche. Oui, non, merde, peut-être. Non, merde. Ah, ok, mais je corrige à la volée parce que on ne me la fait pas. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Il y a des fois un dicton devrait dire quand ça veut pas, ça ne veut pas. Et même si tu insistes, ça ne voudra pas. Non. Et même si tu insistes encore, ça persistera à ne pas vouloir. Juste pour te contrarier. Et puis parce que tu enregistres, enfin, c'est important. Alors, on va tout quitter cette merde, comme on dit couramment dans le langage technique. Et tout relancer, tiens. Pour l'instant, je m'emmerde plus que à faire que ça stream plutôt que de jouer pépère. Hein. Donc faudra pas m'en vouloir si. J'abrège probablement. Parce qu'au bout d'un moment, ça va me gonfler de perdre du temps à faire le setup de l'écran alors que ça devrait marcher du premier coup, nom de Zeus. Regardez-moi ça. Psycho. Alors voilà, you my friend. No. Donc les mecs, ce jour-là, ils avaient pris des trucs bizarres. Ils ont fait, on va faire un shooter, mais un shooter trop bien et trop mignon. Oui, mais il pourrait ressembler à quoi? Bouge pas, je te fais voir. Alors, je sais pas si c'est la démo, mais on n'a pas du tout de son. Oh, les petits poulpes trop kawaii, nous, les petits calamars qu'on n'a pas envie de les tuer tellement ils sont mignons. Toute une période, ça. Ah oui, ça c'est le gros de... le gros demi, le qui tâche. Je n'en puis plus, fonçons. Ah, si, on a un petit bout de son derrière. Je vais peut-être vous monter le son à vous. Parce que tant qu'à avoir des conneries, autant en profiter. Hop! Mais je peux pas les flinguer, ils sont trop mignons. Donc c'est un Space Invader avec du gros sprite précalculé en 3D. Il est trop mignon. On peut pas lui trouver de défaut. Regardez-moi ça comme c'est sous choupi. Hop, hop, hop. C'était pas un bonus? Ok, je note. J'ai perdu mon ultra tir, je suis malheureux. Oh, comment il s'est barré le bonus? Je crois qu'on va se le faire en entier juste pour rigoler. Pour voir toutes les conneries de sprites qui sont allés chercher. Parce que le jeu ne casse pas des barres. Pour l'instant, il est d'une facilité affligeante. Voilà, il est temps que ça tire un petit peu quand même, parce que. J'étais pas loin de l'ennui.
Eh ben, tu éternues bien la poubelle. Ouh, poubelle avec tête de Mazinger. Grandiose, ça. Merde, mon vaisseau bouge un petit poil trop vite. Toi, t'as l'air trop super méchant. Avec les nuages qui passent sur le fond. D'ailleurs, pendant que je regarde ça, je me fais défoncer la tronche. Oh, j'ai un petit tir tout pourri là. Non, je regarde plus les nuages sur le fond, c'est fini. Ça m'a dégoûté, je faisais un petit peu de poésie et tout de suite, je me suis fait massacrer. Les petits cochons japonais sont trop mignons à chaque fois. Ah mais j'ai même pas de deuxième bouton, ah si. Ah non. C'est n'importe quoi. Et puis ça commence à être violent en plus. Faut rester super loin des carottes explosives qui ont quand même un champ d'action assez vaste. Mais je peux les attraper. Fallait me dire, je pouvais les attraper moi. J'ai raté une des grosses subtilités du jeu, je crois. Par contre, je m'en prends des bonnes dans la tête. J'en fais quoi de ces trucs, du coup? Je veux comprendre ce que j'en fais des vaisseaux. Dire que le précédent stream officiel que j'ai enregistré, c'était Captain Thomas Day quand même. Qui est pas loin d'être dans le même genre. Et qui sait, ça se trouve, a été développé par du personnel qui est commun aux deux titres. C'est quand même bien pratique de pouvoir les attraper. Hein. Oula, je rigole pas. Je rigole pas. Non, je ne rigole pas. Ça manque un peu la super bombe quand même.
Ah, je savais qu'il y avait un truc à faire. Je peux, en appuyant sur les deux boutons simultanément, lui balancer ce que j'ai réussi à récolter. Voilà, elle était là l'astuce. Ça semblait quand même bizarre qu'on puisse récupérer des bestioles comme ça, sans pouvoir en faire quelque chose. Alors le principe de choper tous les gonzes, hein, pour pas qu'ils vous tirent dessus aussi, ça marche pas mal. Oula, 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 oula. Oula. Oh putain. Ah, il me rappelle un autre boss qui m'avait pas mal terrorisé, mais je pense que cette équipe est pas inconnue et elle a dû bosser sur d'autres shooters qui sont vachement plus que celui-là. Les asticots autour. Vas-y, fais comme chez toi. La hitbox du vaisseau par contre vachement trop grosse. Carrément. Parce que entre sa vitesse et sa hitbox, c'est rapidement problématique. Hein. J'arriverai pas à récupérer mon putain de bonus. Bien là, connard. Ça, c'est fait. Oh le porc. C'est un éléphant mais c'est un porc aussi. Commis pas à terme. Mais sérieux. C'est pour les gosses, ça. Et vraiment très bizarre ce shooter. Il fait davantage appel à la mémoire que au réflexe, parce qu'il y a des patterns qui sont relativement peu bitables. Il faut se rappeler quand c'est qu'il faut balancer son... Voilà, ça. Histoire d'être peinard un peu, d'avoir une petite place pour passer. Je sens que je vais rien. Enfin, j'ai moyennement rien. Oui.
Non, faut pas me faire ces patterns, moi, à cette heure-là, je suis émotif. Oh, le petit singe! Ça me rappelle un autre jeu. Il y a un autre jeu où ils ont fait ça, les salles. Ah oui. Ou à la fin, en fait, c'était un petit singe, pareil, qui joue des cymbales, mais qui vous en mettait plein la gueule. J'espère que c'est le dernier, là. Il faut que le calvaire s'arrête. Non, mais tu ne fais pas ça, monsieur! C'est juste proprement indécent. En plus, avec la vitesse de déplacement qu'on a sur son vaisseau, ça avance pas. Il n'y a pas moyen de passer au milieu. Dis-moi que c'est le dernier. Oh putain, non. Bon, celui-là, je le fais en entier pour voir jusqu'où ça va, parce que je suis très curieux, quoi. Passe à travers. Allez, ma vitesse de déplacement est juste déplorable. Les turboglaives, ça pardonne pas. Il est quand même très dur ce machin. Non, 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 non. Le problème, c'est que ça met 2 secondes à se déclencher, le petit bouclier qu'on peut faire avec en accumulant des ennemis, mais ils sont énormes ces 2 secondes, on n'a pas vraiment le temps de les poser, quoi. Puis eux, en plus, ils allument. Mais bien sûr, mais tout à fait, mais tout à fait. Je me rappelle dans une autre vie avoir mémorisé tous tes patterns de Vissar. Oh là là, puis en plus, oui, non. Niveau vitesse, on n'est pas rare, les gars. C'est fini, mais le générique là, je ne veux pas d'un niveau suivant, ça ne m'intéresse pas. S'arrêtera jamais. J'ai envie de retourner sur Captain Thomas Lady. À chaque fois que je balance la petite sphère avec les ennemis accumulés, j'ai l'impression que les tirs qu'on prend dans la gueule vont disparaître et ça n'est pas du tout le cas. C'est pour ça qu'en général, à chaque fois, je m'expose la gueule dès que je l'ai déclenché ce tir. Parce que
Voilà. J'imagine que les tirs ne passeront pas à travers. Et quand même, deux fois sur trois, ben c'est le cas, ils passent à travers. Alors, c'est toi qui es responsable de ce merdier sans nom. Goûte à mon courroux. Je crois qu'il en a rien à foutre, en fait, le gars. Il se marre, il se marre. Il fait... Oui, tu veux essayer de me toucher avec ton petit tir? Vas-y, essaye. C'est très, 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 très vice, là. Oh le père. J'ai pas la vitesse, monsieur, j'ai pas la vitesse. Comment tu veux que je te démonte? Oui, bah tu étais très 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 très, très méchant. Ouais. Très... Oh non, pas la super poubelle encore. Ah puis elle a trouvé des nouveaux patterns dans la garce. En fait, il me remet tous les boss du jeu, ça va être impossible à faire. Allez hop, on sort. Est-ce que je vais pouvoir finir sur un vrai, vrai petit shooter sympa? We must stop being They have only 72 hours to accomplish their objectives. The four specialists will exterminate the troops of DAC. They will never be defeated. Shock Troopers! Second squad! Alors, je relance le jeu, tranquille. Et apparemment, on est parti pour un bon petit remake de Commando. Evie. Evie. Oh non, j'ai le pire. We must stop these armed teams. They have only 72 hours to accomplish their objectives. The four specialists will exterminate the troops of DAC. They will never be defeated. Shock Troopers! Second squad! Allez, on y go! Tirez! Tirez à vos portons! Ok, je pourrais y être. Et je suis malade. Thank you.
Bonus. Select soldier. No merging for forgiveness in the battlefield. Charlie out. Second squad. Let's go. Que ça rameau. Le jeu qui bug devient très très drôle en fait. C'est quand même du boulot parce que pour ce jeu, ils ont dû sculptiner. Ils ont dû sculptiner de représenter toutes les vies. Un peu perspective des différents splits et surtout ceux du joueur. Quoi. C'est un peu le bordel. Hein. For me. Select mission. Airbase. Recovery operation. Let's go. Oui.
mais sans foi ni loi, il tire sur les chevaux. Quel méchant garçon. Les deux tâches quand même sont à mourir parce que quand même, ça tient du gargarisme. Power stop.
game. Thank you.
Bien voilà, on se joue dedans. C'est amusant quand même comme chez toi. Bien joli, c'est
No match for me. Ouais, puis sur le deck, t'as essayé de la jouer Duke, mais c'est pas ça, mon gars. Pas comme c'est très désespérateur.
Seigneur. Coup d'état. Oui, mais il ne sortira pas comme ça. J'ai mangé un cassoulet. Je suis à fond charge. Je crois que je vais aller dormir après celui-là. Parce que là, les réflexes, c'est plus ça. Alerte intrus. Stop.
C'est relativement infaisable ce dernier niveau. Pénible. Il est finissable ce truc ou non? Oui, mais t'as raison parce que... Non, ce n'est pas la fausse musique de Mission Impossible qui m'a endormi, mais on n'était pas loin, quoi, parce qu'entre un boss final où franchement j'aurais pas aimé être le gars qui était en train de jouer sur la borne quand il est arrivé là-dessus, parce qu'on est bien d'accord que vu les patterns à apprendre, c'est un investissement de 50 francs. Donc voilà. Enfin, ceci dit, c'est un très très joli jeu, c'est très sympatoche d'avoir rebooté un commando là, avec ce style. Peut-être un léger équilibrage sur les phases de fin. Mais sinon, c'est super jouable. J'aurais fait au moins un jeu super sympa ce soir. Je publierai peut-être le stream, mais c'est pas un officiel, c'est vraiment un truc bien chez moi, je suis tranquille. Ça se prend pas la vie. Donc je ne vous dis pas, je vais vous donner un visage. Donc je ne vais pas faire des likes, des trucs comme ça. Je dis juste que je me suis bien amusé, je suis fatigué, je vais dormir légèrement 3 heures du matin. Ciao.